Rukieta Rwamba est une jeune écrivaine burkinabé au département communication et journalisme à l'université de Ouagadougou. Cette jeune étudiante est une mordue de lecture depuis l'école primaire. Sa dernière parution vit dans la termitière, une nouvelle de 4 chapitres dont entre autres au pays de l'immoralité, plutôt la mort que le déshonneur, la descente aux enfers de la famille Kabolé. Elle dépeint une société en crise morale et politique et appelle à l'union des peuples africains. Je peux définir par exemple les termites comme des insectes sociaux qui sont bien hiérarchisés, vivent dans les colonies, ils sont bien organisés aussi. Voilà, il y a des soldats, il y a la reine, il y a les ouvriers. Voilà, donc chacun a son rôle à jouer. Donc une manière aussi de dire que tel que les termites se battent pour construire la termitière, tels qu'ils se battent à l'intérieur pour pouvoir survivre, nous les hommes aussi, nous devons nous battre de cette façon. L'actualité politique nationale a été une grande source d'inspiration pour son œuvre. Un matin d'octobre où la révolte des opprimés apparaît ainsi comme une description par anticipation de l'insurrection d'octobre 2014, la première édition de l'œuvre datant de septembre 2014. Je me dis que la littérature peut être ma corde pour la construction de mon pays parce qu'avec les écrits, on peut oser réinventer le monde. Voilà. Avec les écrits, on arrive à éveiller même la conscience du peuple. Voilà. L'écrivain, il est considéré comme les yeux et les oreilles de la société. Rukieta Rwamba voudrait hisser haut le drapeau burkinabé sur l'échiquier littéraire africain. Elle s'apprête à publier son second livre, Afi, l'histoire d'une jeune élève promise à un bel avenir, mais qui n'y arrivera pas. Dans ce manuscrit en édition, elle dénonce l'ingratitude de l'être humain.